Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le core PlayStation sur Mister FPGA sorti fin janvier avec la nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir la musique dans les jeux. Et on commence tout de suite avec Ridge Racer Type 4 en version US. Quelques petites informations, donc le core maintenant c'est géré le CDXA, donc c'est le format audio de la PlayStation, donc on a bien les musiques des jeux. Néanmoins il reste encore beaucoup de travail sur ce core, il y a beaucoup de développement à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains jeux ne fonctionnent toujours pas, typiquement Resident Evil on ne peut pas y jouer, Ridge Racer tout premier du nom n'a pas les musiques non plus, donc il y a encore des choses à faire et à améliorer sur le core. On continue avec le jeu Castlevania Symphony of the Night en version US aussi. Un autre aussi petit conseil que je vous donne, si vous n'avez pas encore commandé votre Mister FPGA, c'est de ne pas trop tarder, parce que je pense qu'avec le core et son avancement, que ce soit celui de la PlayStation ou de la Saturn, la demande en fait en produits de 10 nano va être encore plus élevée à mon avis dans les mois qui vont venir, donc vous risquez d'avoir beaucoup de mal à vous en procurer. Et pourquoi je dis ça, hein, c'est juste pour vous et pas être déçu si vous ne pouvez pas l'acheter. Personne ne me finance ni ne me sponsorise mes vidéos. Donc c'est vraiment pour vous et rien d'autre. Le troisième jeu, c'est Tale of Destiny en version aussi américaine. Une autre information importante, donc pour le core PSX, l'idéal c'est d'avoir deux slots SDRAM pour avoir une synchronisation du son. Moi j'en ai qu'un seul, pour l'instant ça me va très bien, peut-être que j'en prendrai un deuxième ultérieurement si je vois que c'est vraiment indispensable.
Et a priori, pour le corps Saturne, ça sera obligatoire d'avoir deux slots de mémoire pour faire fonctionner tous les jeux. Et pour finir, le jeu Saga Frontières en version américaine aussi. Comme je disais en début de vidéo, donc il reste encore beaucoup de travail aux développeurs pour faire le core PSX. Après, je suis certain, vu leur qualité de travail et leur capacité, qu'ils vont nous faire vraiment un bon core pour cette console. Et que ça sera vraiment une version très très aboutie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le nouveau core PlayStation sur Mister FPGA. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous tiendrai informé d'ici la fin du mois avec une nouvelle vidéo de ce core et ses évolutions. Merci à tous et bon jeu.